Bonjour tout le monde. J'aimerais vous donner des trucs pour passer un beau Noël. Bon, tu sais, tout d'abord, on sait que Noël, on mange souvent un peu trop parce que c'est de la bouffe qu'on n'a pas tout le temps. Mais côté nutritionnel, j'aimerais vous donner trois petits trucs. Mais pas pour ne pas engraisser pendant les fêtes ou je veux pas vous dire mangez pas ci, mangez pas ça, mangez pas ce tarte-là. Non, inquiétez pas. Non. Je vais plutôt vous donner des conseils pour que vous puissiez vous sentir en forme et ça pendant toute le congé Noël. Ouais. Bon, c'est une évidence là qu'il y a genre toujours une tonne de plats super bons qu'on mange souvent juste à ce moment-là. Tu sais, la dinde, le ragoût, les tourtières, les tartes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est juste mieux pour votre corps de pas trop abuser. Pas côté poids là, côté fatigue et humeur. Fatigue et humeur, parce que si on mange trop, on est soit super fatigué rapidement, ce qui n'est pas une bonne idée pour Noël, ou pas de bonne humeur. Puis ça non plus, c'est pas bien parce qu'il y a comme plein de monde autour de vous, tu sais. Donc voici mes trois conseils nutritionnels. Alors, un, il faut bien dormir pendant la nuit. Parce que comme ça, vous allez être plus apte à avoir une bonne humeur tout au long de la journée. Puis en plus, vous allez être plus conscient de ce que vous mangez, quand vous avez faim, quand vous avez plus faim, etc. Donc, il faut faire dodo groupe. Deuxième conseil, bougez un peu dans la journée. C'est comme juste un petit 20 à 30 minutes à pelleter votre entrée ou le soir, aller faire un tour dans votre coin pour regarder toutes les lumières puis les décorations de Noël. Le fait de bien dormir et de bouger un peu va vous donner une excellente humeur et plein d'énergie pour ce qui s'en vient. Puis ça va vous aider aussi pour être capable de voir si vous êtes rassasié à niveau faim. Et ça, c'est super bien parce qu'on a toujours une tonne de plats pendant les fêtes de Noël. Et si nous, on le sait qu'on n'a plus faim, c'est bien. Et pour ça, il faut que notre énergie soit assez bonne et il faut qu'on ait eu du sommeil. Et finalement, j'ai une petite solution simple et logique, celle de moins manger avant notre rencontre. T'sais, si on fête Noël à l'heure du souper, on mange juste ce qu'il faut pour le matin puis le midi. Je dis pas de pas manger du tout, là, ça c'est niaiseux aussi, mais faut pas abuser non plus. T'sais? Et si on va au brunch, ben on mange un peu moins pour le souper puis on fait pas une tonne de collation avant le dodo non plus. Puis ainsi, vous allez uniquement vous sentir plus zen puis plus en forme et de meilleure humeur. Je vous le dis. Bref, les trois trucs que je vous ai donnés avec ça, je crois que vous allez avoir du plaisir pendant Noël. Bonne année, groupe!